L'histoire paraissait invraisemblable jusqu'au vendredi 11 septembre dernier. À l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, la police est en contrôle de routine à l'embarquement. Les policiers découvrent qu'un homme, recherché par la police internationale, est sur le point d'embarquer. Après une vérification d'identité, il sera interpellé. La division des investigations criminelles prend le relais. La police sénégalaise vient de mettre la main sur l'homme le plus recherché au Bénin. Carlos Adouanon est accusé d'un vol de 4 milliards dans les caisses de l'État. Le vendredi 20 septembre 2019, alors que le cadre du ministère de l'Économie et des Finances a déclaré une mission à Ouidah, il disparaît dans la nature. Une perquisition à son domicile et à son bureau lance l'affaire. Selon nos sources, Carlos Adouanon détient les fonds issus des contentieux du service des impôts. Un pactole dont l'État se sert rarement. Les enquêteurs se lance aux trousses du jeune homme. Carlos Adouanon est un cadre discret et très noctambule. Il a ses habitudes dans un bar-restaurant situé à Bartito, où il passe tous ses week-ends avec un groupe d'amis de l'ENEAM. Diplômé de l'École nationale d'économie appliquée, il a commencé sa carrière au campus d'Abomey-Calavi. Ses collègues décrivent un jeune homme sans histoire, très calme et sociable. Au ministère des Finances, il a su gagner la confiance de ses supérieurs. En septembre 2019, les enquêteurs vont écouter plusieurs responsables de la Direction générale des impôts, y compris le directeur. La presse s'empare du dossier et des révélations sont faites. Carlos Adouanon était sollicité par ses supérieurs pour des décaissements de fonds sur le compte. La nature des dépenses n'a pas été révélée. La presse soupçonne des activités non transcrites et secrètes. Carlos, en décaissant, se serait servi un peu trop. Le domicile de Carlos est perquisitionné. Son entourage passé au peigne fin. Les enquêteurs découvrent alors une transaction de plus d'un milliard sur le compte d'un proche du régisseur et 100 millions de francs CFA auraient été retrouvés au domicile de cette personne. Le véhicule de Carlos était stationné au domicile du mis en cause. Cet homme, le voici. Blaise Salanon. Il serait un jeune acteur politique, membre du parti de Valentin Roudé, ancien questeur à l'Assemblée nationale. Blaise Salanon est interpellé par la justice, accusé de complicité de détournement de deniers publics, recel et association de malfaiteurs. Il sera placé en détention à la prison civile de Misrété. Les enquêteurs le mettent sur écoute. Depuis la prison, il passe des instructions afin de récupérer une somme de plus de 60 millions de francs planqués à son domicile. La police file son émissaire et met la main sur le paquet. Blaise Salanon fait de surprenantes révélations. Il confie aux enquêteurs qu'il ne connaît pas Carlos. Il serait ami au grand-père du régisseur. Il soutient qu'il était à Boïcon quand Carlos est venu le voir avec son véhicule, confiant qu'il avait des ennuis et qu'il devait rapidement se rendre à Lomé. Connaissant son grand-père, il accepte de l'aider. Fin de l'histoire. Mais dans le même temps, il fait d'autres révélations à des proches
Il soutient que Carlos lui aurait confié qu'il faisait objet de menaces de mort de la part de ses supérieurs et qu'il avait peur. Le régisseur aurait demandé son aide pour des pratiques occultes afin de se tirer d'affaire. Deux versions. Du côté de la police, l'enquête avance et de nouveaux éléments sont dévoilés. Lors de la perquisition chez Carlos à Dorwanon, les policiers font une autre découverte. Une pièce sombre, fermée et remplie d'objets servant à des pratiques occultes. Les enquêteurs y découvrent des images de hauts responsables de l'administration des impôts et des finances. Sur ces photos, des rituels auraient été pratiqués. Les enquêteurs relient alors ces actions à Blaise Salanon, qui ne serait rien d'autre qu'un marabout réputé puissant. Qui est donc Blaise Salanon et où sont passés les milliards de la DGID? Les enquêteurs ont une réponse simple. Blaise Salanon serait le protecteur de Carlos à Dorwanon. Le régisseur lui aurait remis de fortes sommes pour des investissements. Les enquêteurs découvrent en effet que Carlos à Dorwanon a demandé quelques jours avant sa disparition un gros montant à Blaise Salanon afin de satisfaire la requête de ses supérieurs. Blaise n'a pas libéré les fonds. Carlos a pris la fuite. Selon cette thèse, Blaise Salanon aurait reçu des versements réguliers de Carlos à Dorwanon. Où est passé tout l'argent? Mystère. Mais Blaise Salanon faisait parler son cœur à Abomé. Don dans des orphelinats, don de kits scolaires, soirée à l'intention des artistes. Le jeune marabout passe pour un mécène, un acteur politique qui pendant plus d'un an va afficher un luxe insolent et un train de vie hors du commun. Garde du corps, véhicule de luxe, il fait même des dons au nom du chef de l'État. Nous, militants, amis de Blaise T. Salanon, avons décidé, après concertation et analyse profonde, de tourner définitivement dos au bloc DUD qui ne sait pas là où il va. Nous, militants de la 23e circonscription électorale, ayant à sa tête Blaise T. Salanon, avions décidé de rester fidèles à notre engagement de départ qui est celui de soutenir sans condition les actions du président de la République, son Excellence Patrice Talon. Tout s'arrêtera après la fuite de Carlos et son arrestation en octobre 2019. Un an plus tard, l'affaire Carlos demeure un grand mystère avec des zones d'ombre. L'ancien régisseur a été extradé à Cotonou et déposé à la prison de Misrété. Mais les grandes questions demeurent. À quoi servaient les décaissements réguliers demandés à Carlos par son administration? Quel est le montant exact détourné par le régisseur? Carlos était-il sous l'emprise des manœuvres occultes faisant confiance à un marabout au point de lui confier plus d'un milliard de francs CFA? Blaise Salanon a-t-il reçu des sous? Et quels investissements ont été faits? Au ministère des Finances, qui sont les autres complices de Carlos au niveau du service des impôts? Puisque le directeur de la gestion des ressources a délivré des chèques à blanc au régisseur selon les enquêteurs. Seul ce homme détient toutes les réponses, mais il reste muet depuis sa fuite.